Non, finalement, c'est une feinte de Makoutou. Incroyable, Makoutou qui a feinté à trois. Darin Gomez qui va profiter de l'écran d'Odian Osike et qui marque à 3 points. Déjà au bout de cette première possession, Makoutou qui ouvre le score à 2 points. Et Boris Dalot qui a été rentré dans un premier temps, qui récupère le ballon et qui réussit à marquer dans un deuxième temps. Rudy Cartier, on a encore plus qu'il dégaine et c'est dedans à 3 points pour Dominique Artis qui redonne l'avantage à son équipe. Oh, superbe passe et le dunk Donny a Nosiké sur la passe magnifique de Gomez. Nosiké qui va provoquer Montao, le geste d'entrée qui est provoqué par Donny a Nosiké. Joli travail de Dominique Artis qui va provoquer et qui va marquer. Dominique Artis dans son style insaisissable. Il fait finalement une ressort pour un mix à 3 points. Kennedy Mix qui redonne 3 longueurs d'avance à Cholet Basket. Et Kennedy Mix qui en remet une couche en tête de raquette. Cran 2. Anosike qui profite à Campbell à 3 points. Et le shoot à 3 points du Hugo Rabino. Plus 6 pour Cholet Basket. Et à nouveau les deux équipes, dos à dos, Dominique Artis à 3 points. Johan Makoutou, il va les provoquer, donc c'est compliqué. Mais Johan Makoutou qui était parti dans une action assez étonnante. Makoutou qui prend un tir de loin et qui marque. 9e point de Makoutou qui ramène son équipe à 2 longueurs. Parfait pour Johan Makoutou. Artis qui a réussi à transmettre ce ballon à Makoutou. Il a allé où pour démarrer. Et la contre-attaque pour Dominique Artis qui est passé devant Westerman. Et ça permet à Cholet Basket de revenir à 3 points. Gomez pour Makoutou, vers à 3 points.
et de nom Johan Makoundou qui ramène son équipe à une possession. Dalot à 3 points, c'est dedans. Et Cholet qui reprend l'avantage. Plus 1 pour Cholet Basket. Odier Nosique qui va provoquer dans Tahol et qui va marquer 2 points. Audi Adosike qui donne 3 longueurs d'avance à son équipe. Et Dominique Artis, lui aussi, il s'est hissé au niveau du championnat de France. Et l'interception de Artis qui lance Govens en contre-attaque. Le lay-up de Govens et le dunk finalement. Son point de vue, Johan Makoundou. Govens qui rate son lay-up. Et c'était peut-être pour mieux faire le show avec Johan Makoundou. Il va lancer la contre-attaque pour Dalo. Makoundou dunk. Showtime avec Johan Makoundou servi par Maurice Dalot et la salle de la Mairie qui s'enflamme. Regardez, écoutez Cholet qui mène de 7 points. Govens qui ressort pour Makoundou à 3 points. Il est en feu, Johan Makoundou. Dominique Artis pour Makoundou et encore un dunk de Johan Makoundou. C'est incroyable ce que l'on est en train de voir. Cholet qui mène de 10 points face à la Rocket Team. Alors le jeu qui se poursuit avec Dominique Artis à 3 points. C'est tout temps. Plus 13 pour Cholet. Mais c'est invraisemblable. La Rocket Team qui ne répond plus. Voilà, c'est fait à 2 points pour Artis et c'est dedans. Dominique Artis. C'est très serré, TJ Campbell qui joue à 2 points et qui marque. Qui donne à Peter Joke à 3 points. Alors là, il ne faut pas le laisser seul, Peter Joke. Et Johan Makoundou qui est envoyé. Incroyable action. DJ Campbell qui envoie son ballon en l'air pour Makoundou, il le prend à deux mains dans les airs, il dunque d'une main, quelle action! Oh le contre d'Hugo Romino sur Mike James. Pour Romino qui va attaquer le cercle, le lay-up, Hugo Romino! Le panier accordé, Makoundou, la claquette incroyable de Kennedy Mix. Et DJ Campbell qui donne à l'intérieur pour Kennedy Mix qui se retourne et qui marque. Les Cholet sont en réussite en attaque. Non, finalement c'est une feinte de Makoundou. Incroyable, Makoundou qui a pointé à 3 points, qui a passé l'île de fond et qui est allé encore claquer un dunk. Il est incroyable, Johan Makoundou, ce soir, 27 points pour le jeune français, Darin Govens. Il va profiter de l'écran d'Audi Anosike et qui marque à 3 points. Govens qui relance son équipe, qui est obligé de tenter un tir compliqué. Et Audi Anosike, les joueurs de Monaco là qui ne se sont pas compris sur le rebond. Et sur la relance, et c'est Audi Anosike qui passait par là et qui inscrit le panier de la victoire vraisemblablement. Cholet Basket va disputer le play-off.